Avoir un but dans la vie. Des fois, on rencontre des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie. Être maman, être papa, être manager, voyager, être acteur, peu importe. Mais d'un autre côté, on a aussi des personnes qui ont un peu du mal à savoir ce qu'elles veulent faire dans la vie. C'est difficile pour elles, en fait, de déterminer ce qui les porte vraiment, ce qui les fait se lever le matin. Et c'est tout à fait normal. Et je pense que dans ces moments-là, c'est intéressant de se poser la question de savoir... Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que c'est peut-être aller voir des films au cinéma, promener mon chien, rencontrer de nouvelles personnes, voyager? Et c'est aussi se poser la question de savoir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi. Est-ce que c'est les valeurs d'indépendance, de sécurité, de famille, d'amour? Et ces choses en fait qu'on a énumérées, c'est intéressant de s'en rendre compte en fait et peut-être... de faire en sorte de les pratiquer quotidiennement le plus possible et peut-être même trouver des personnes qui partagent ces mêmes passions et ces mêmes intérêts. Et à partir de là, on commence à être plus heureux dans la vie et peut-être à tendre plus vers cet objectif, ce but de vie. Et à partir de là, c'est intéressant si c'est possible en fait pour nous de développer quelque chose, que ce soit un travail qui nous épanouit dans le domaine en fait qui nous plaît tellement, ou peut-être créer une association, voilà, partager avec des personnes cet intérêt-là. En fait, je pense vraiment qu'on n'a qu'une vie et que c'est un peu triste de ne pas utiliser ce temps qu'on possède intelligemment en fait, ou à notre bon profit, je ne sais pas comment exprimer. Et donc voilà, je voulais juste savoir ce que vous trouviez important dans votre vie et quel était votre but.